Boomzy Picaille. J'ai toujours rêvé de démarrer un stream par Boomzy Picaille. Je sais pas pourquoi, mais des fois il y a des trucs cons comme ça qu'on a dans la tête. Il faut absolument qu'on les fasse. C'est super important. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on retourne dans un shmup. Oui, vous m'en direz tant. J'en ai pas fait assez. Non, on doit en être à. Laissez-moi compter à vue de nez. 450? C'est pas mal quand même. 450 shmup arcade uniquement. Et donc, vous avez tout ça disponible dans les playlists Shmup de The Big Game of Ski, et on va en rajouter un aujourd'hui, un qui est de 1991. Et il n'est pas d'une boîte inconnue, puisque c'est Irem qui est à la base de ce titre qu'on va découvrir aujourd'hui. Oui, Irem, les papas de R-Type. Cosmic Cop. Non, c'est pas écrit Cosmic Cop, et pourtant c'est le nom que porte ce jeu, distribué un petit peu partout dans le monde. Sachant que oui, normalement, son vrai nom complet au Japon, c'est Armored Police Unit Gallop. Mais ça faisait peut-être un peu long et un peu cucu pour la distribution internationale, je crois. Est-ce que Irem s'est remis de son succès de shmup à scrolling horizontal? On va le voir tout de suite après une annonce météo qui annonce des tempêtes de pullover sur la plage bretonne de Plouélec. T'as eu la précision quand même dans les annonces? Ouais, je sais. Alors, est-ce que j'ai déjà parcouru ce jeu? Oh, jamais, au grand jamais. Petite démo, Mounette, s'il te plaît. Ah bah non, j'insérerai pas de coin tant que. Voilà, je veux voir à quoi je vais. Quelle sauce je vais te manger? Des grosses sprites déjà. Très gros. Alors, qu'est-ce qui est écrit en bas? Laser, machin. Je devrais avoir une arme secondaire, j'ai pas de bouclier, c'est pas R-Type. Mon dieu, ça défouraille sec. Ah, et je peux me prendre des douches de je ne veux pas savoir quoi qui vont me déplacer à l'écran. Ça m'a l'air très vif, hein, tout ça. Très vif et pas mal fourbe. Danger, danger, quoi? Quel danger? Oh là 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 là, le décor s'y met. Un horizontal comme je les aime. Vais-je couiner? Il y a une grosse, grosse, grosse probabilité. On y va, les amis. Oui, je vais mettre du crédit, je le sens pas, là. J'aurais dû mettre car, comme ça aurait fait cargo. Alors, bibi, petit bonus. Alors, les sprites sont de bonne taille. Hein. Alors, c'est bien, on voit bien où on est. Le problème, c'est que quand il va y avoir des boulettes, les boulettes aussi, elles vont bien voir où je suis. Et alors, ma hitbox. Quelle est la taille de ma hitbox? C'est la question du jour. Vous pouvez appeler le 36 68 00 00 pour essayer de gagner absolument rien du tout et dépenser un argent fou. Pour connaître la taille de ma hitbox, deux canons seront tirés au sort et ils me devront de l'argent à la fin. Ouais, non, mais c'est les concours de Big Game of Ski. Hein. Alors, j'ai pas encore essayé le deuxième bouton pour voir si j'avais un tir secondaire. Je suis pas très pressé, je vais attendre un boss parce que. Vu la vivacité des niveaux déjà, il y a probabilité que le boss soit pas très très sympathique et ne connaisse rien à la politesse. Qui est de crever avant moi. Bon, ça va pour l'instant, c'est les vacances. Hein. Vas-y, j'y vais à deux. Deux contre un. Est-ce que c'est fair play? Je me demande. C'était chaud. Va falloir que je teste le deuxième bouton. C'est rien, c'est mon téléphone qui envoie des notifications en même temps. Bon, je stream. Ce qui n'est pas très sympathique. Alors, des fois, je balance mon petit laser, c'est ça là, voilà. Enfin, mon petit super tir.
Faut arriver à calmer le gros. Oh, qui m'a mis une bonne gifle. Et au moment où il allait crever, je me le suis pris dans la... Dans la poire. Oui, bah je vais te faire comme ça, mon pote. Hein. T'as voulu jouer à l'andouille. C'était la fois trop. Aïe, 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 aïe. Ça pardonne pas, ça. Est-ce qu'on va arriver à passer le premier boss? Rien n'est moins sûr. Alors moi, ma garantie, c'est que j'ai fait mes 5 minutes déjà. Ceci dit, je suis curieux de voir ce que ce jeu a dans le coffre. Parce que 91, il y avait moyen que ce soit jouable. Hein. Oh là là. Je me suis fait mettre la misère au premier niveau par le premier boss. Vais-je m'en remettre? Non, puisque je vais remettre un crédit. On va lui faire la peau. Ah oui, ce serait bien de voir le deuxième niveau pour voir si ça se diversifie un poil ou si je vais rester à morfondre dans... Ouh, qu'il est énervé. Non, non, laisse passer là. Il va aller faire un tour, il va faire son petit tour. Et il veut pas crever, c'est ça qui est... Bon, mon laser se recharge très très doucement et nous lui avons... Oh, je suis désolé pour l'expression, mais nous lui avons torché la bugne. Alors, faut bien que je pense à pas tout le temps utiliser mon laser. Puisqu'il a besoin de temps pour se recharger le bourre et c'est damne long. Et nous repartons en interception immédiatement. Alors être flic du futur, c'est pas mal. Si on peut éclater tout le monde. Bah c'est un peu comme flic du présent d'ailleurs. À part qu'il y a... Il y a encore moins de réglementation. Attends, je vais voir si je peux prendre un vaisseau et carrément le noyer dans la flotte. Ça pourrait être sympa. Oui, petit clin d'œil à ces gens incompétents qu'on laisse en uniforme faire n'importe quoi. Ah, ça y est, je me suis fait jeter à la flotte. Oui, au moment où j'enregistre ce stream, on est en pleine polémique sur des choses pas très normales. Ah, mamma mia. Alors le jeu est très très amusant, mais c'est pas pour autant qu'il est génial, quoi. Parce que pour l'instant, moi j'ai l'effet waouh de découvrir le jeu. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de sprites différentes. Que le gameplay se renouvelle un poil. Ceci dit, il faut voir. Ah, faut voir sur la longueur si le jeu tient vraiment la distance. Ah, ces trucs, c'est vraiment fourbe. Heureusement qu'il n'y a pas de tir à ce moment-là parce que je me ferais sans doute propulser sous une rangée de boulettes non désirées. Oh là là là. Not from behind, les gars. Not from behind, never, ever, ever, ever. Et alors, ces chutes d'égout là, ces chutes d'égout m'ont dégoûté. Oh, j'ai un tout petit tir pour redémarrer, c'est horrible, je vais en baver comme pas possible. C'était donc Cosmic Cop qui ne finira pas la malle au grenier, lui, puisqu'il est relativement bien foutu. Il est très très speed. Maintenant, savoir si c'est un petit chef-d'œuvre, ce sera à vous de le découvrir en parcourant l'intégralité de ses niveaux. Parce que je ne suis pas là pour vous faire voir tous les jeux en entier tout le temps. Mais en tout cas, sachez qu'il est sélectionné, puisqu'il est tout à fait jouable. Il est intéressant. Maintenant, il faut voir si, sur la durée, il n'aurait pas tendance à se répéter un petit poil le pépère. Voilà, je vous laisse avec les deux streams habituels, le bouton d'abonnement, et moi je m'enfuis immédiatement. Ciao.